Bon les gars, c'est parti, bienvenue sur le jeu Let's Day Honors, donc sur un nouveau raid, le raid du player 9776, où nous allons tout de suite nous rendre. Alors, c'est un raid qui m'a l'air assez sympa. Vous allez me dire, hein, qui vont me dire, ouais, il n'y a pas grand chose dans le raid. Bah si, vous allez voir, c'est une toute petite base. Ben, j'espère que c'est ça, parce que des fois ils changent les raids, donc on sait jamais. Voilà, écoutez, on arrive sur cette base, ça m'a l'air d'être ça, on va aller voir ce qu'il y a dans le... Voilà, ben, écoutez, regardez ce qu'on trouve dans le pick-up, on va trouver un petit M16, de la bouffe, des trucs, on va tout de suite mettre, regardez, hop, pas faire de bêtises, on va mettre, moi je suis très content d'avoir ça, parfait. Allez, on va mettre ce qu'on a trouvé, hein, c'est déjà ça. On intervertira plus tard si besoin. Alors, donc nous avons une toute petite base, comme vous pouvez le constater. On va aller mettre notre petit C4 dans le coin, parce que ça va faire péter un coffre. Voilà, alors là, nos amis vont arriver, hein, ils vont s'empresser. Alors, je vais finir à poil. Voilà, je vous l'avais dit, hein, je finis à poil parce que je n'ai pas pris... Alors, par contre, ah bah attends. Bon, on va les finir au flingue. On va pas s'embêter, on finit ça au flingue, tranquillement. Et on va aller pouvoir gentiment faire notre petit raid. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va aller... Je crois qu'il y a un coffre là, non? Il y a un caillou d'abord. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Mais alors, donc effectivement, on a deux coffres. Alors par contre, il y a peut-être des petits trucs à péter, on va aller voir. C'est possible. En attendant, sur nos deux coffres, qu'est-ce qu'on peut trouver? Vous allez vous rendre compte que tous les items sont par 20. À l'exception, effectivement, des pièces de moteur. Mais je pense que ça a été nerf par les programmeurs. Donc, là, je pense qu'on est sur une base, entre guillemets, hack. Voilà, on peut quasiment tout prendre. Alors, je prends pas les câbles parce que là, j'en ai un coffre plein. Je suis désolé. Je les laisse pour le suivant. Et ici, on va trouver le Graal pour certains. 20 peintures blanches, oui, 20 peintures blanches, vous voyez, tout est par 20, et je pense que là, c'est le max, 7 barres de cuivre, je pense qu'ils ont pas dû, le jeu doit pas être autorisé à ce qu'on puisse en avoir plus, donc 7 barres de cuivre, c'est potentiellement 7 plaques d'acier, hein. C'est comme si j'avais trouvé quasiment 11 plaques d'acier, sauf qu'il faut que je les crée, là, ça c'est génial, un flingue, non mais là, tout est bon à prendre, 20 peintures blanches, 20 peintures jaunes, enfin... Vous, je sais pas, mais moi, c'est la grosse fête. C'est la grosse fête. Regardez, voilà. Je suis plein. Donc là, je suis au top. Et encore, regardez, hop, je peux même faire ça. Alors, attendez, hop, voilà, je peux mettre ça ici. Donc, il me reste même une place si je veux. Au pire, je pourrais même prendre les câbles. Ça m'embête un peu, mais je vais les prendre. Mais alors, moi, ce qui m'intéresserait de voir... Pas trop envie de faire spawner la prochaine vague, non, il n'y a pas grand chose. Je pense que de toute façon, on va en rester là. C'est-à-dire que je vais casser ça pour voir ce qu'il y a dedans. Si vraiment il y a quelque chose de bien, je le prends. Et ensuite, je pense que je vous laisserai. Mais regardez quand même ce qu'on a réussi à loot avant que la prochaine vague arrive. Mine de rien, si je mets les très très bons items, allez, ce que je considère comme être des très très bons items, hein, on va dire, non, allez, les clous, on va les enlever, les 20 peintures blanches, ça, je vais les enlever. Non mais déjà, regardez ce qu'il y a dans mon chopper, c'est quand même déjà, c'est déjà génial, voilà, écoutez, moi, je suis ravi. Par contre, mais j'ai vachement de place. Comment ça se fait que j'ai vachement de place? Je sais pas, c'est bizarre, ça. Ah, bah oui, parce que j'ai rempli mon chopper. Suis-je bête? Bon, écoutez, on va aller casser ça.
On pourrait presque farmer en attendant. Allez, on va tout prendre, ça se prend. La vague a même pas popé. Alors attendez, est-ce qu'il y a un autre truc à casser? On sait jamais. Là, on a pris quand même 20 barres de fer, donc ça c'est pas mal. Ah, non, mais je crois pas. Attendez, mais il y a des trucs là. Mais je vois pas ce que c'est. Ah oui, d'accord. Ça c'est ça. Et là, il y a quoi? B, mais ça je m'en fous un peu. Allez, on va se casser ça et on va partir. Non, il n'y a rien là-dedans. Ouh là là, ils sont pas contents, ils arrivent en masse. Non, 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 me tue pas, me tue pas, me tue pas. On s'en va, on s'en va. Eh bien écoutez, voilà, pour moi ça a été un très bon raid, un tout petit raid, mais un très bon raid. 20 peintures blanches, je pense qu'il y en a qui vont me maudire. Moi je suis ravi, 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 mais j'en avais besoin pour mon chopper, parce que j'ai pas mal encore de chopper à faire, enfin à peindre, je veux dire, il me fallait pas mal de peintures, dont de la peinture blanche. Écoutez, vraiment, bah, on va aller voir quand même les pilleurs, voir ce qu'ils me demandent. S'ils me demandent, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller. Bon, faut voir. On va voir si les pilleurs demandent beaucoup, beaucoup. Bah, tant qu'on y est, hein, la vidéo est courte, donc tant qu'on y est, allons voir ça ensemble. Qu'est-ce qu'ils vont nous demander, ces coquins? Oui, une douche serait utile, effectivement. Alors, faites voir. Si je leur donne par exemple ça, pas mal. Ça fait rien. Qu'est-ce que j'ai beaucoup? Ah ben c'est ça, bien sûr, mais mais c'est sûr que ça a l'air vrai. C'est sûr, on va même récupérer ça, on va même récupérer ça, on va même récupérer ça. Faites voir si j'en mets que 15. Voilà, bah écoutez, vous voyez, 15 fils d'aluminium, ça suffit largement, ça on va le manger. Voilà, allez, on va partager, ils sont contents, marché conclu. Je vais les rappeler comme ça, bah on va voir ensemble quelles vont être mes prochaines quêtes. Le marchand, ouais, ça je verrai après. Ils sont où? Voilà. Ah, quand même, ils arrivent, voilà. Les pilleurs. Alors, une douche serait utile. Oui, ça, tu me l'as déjà dit. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer comme quête? Est-ce qu'il peut y avoir des quêtes sympas? Pas trop dures, faciles à faire, ça m'arrangerait. Voilà. Alors, oula! Bon, là, donc, il va falloir que je détruise 5 tourelles au bunker, d'accord. Il va falloir que j'utilise au moins une carte bleue au commissariat, que je construise 20 kits, 15 abominations toxiques dans les zones dangereuses. Ah, oh, mais c'est jouable, en fait. Non, non, c'est jouable. Je pense que je vais pouvoir refaire un raid assez rapidement, au final. Mais écoutez, voilà, et au moins ça vous a montré quelques quêtes qu'on pouvait faire. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et ben, n'oubliez pas votre petit pouce bleu, votre abonnement, votre partage. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.